Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera comment faire des feuilletés vol au vent ou bouchées à la reine. Donc voilà, si vous en avez pas chez vous et que vous avez une pâte feuilletée ou que vous voulez faire la dimension que vous voulez, par exemple pour faire des mini bouchées à la reine pour un apéro, c'est parfait. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo, vous aurez les informations dans la barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. A bientôt! Pour la recette, vous aurez besoin d'une pâte feuilletée, de lait végétal, et d'emporte-pièce, donc un plus petit que l'autre pour faire l'intérieur du vol au vent. Étalez votre pâte feuilletée et on va découper des cercles avec vos emporte-pièces. Donc d'abord prenez les plus gros et ensuite prenez le plus petit emporte-pièce pour faire l'intérieur du vol au vent, comme ceci. Ensuite j'ai pris d'autres emporte-pièces pour faire des mini vol au vent qui peuvent être servis pendant l'apéro par exemple. Sur une plaque allant au four, déposez-y un cercle. Ensuite, on va superposer un autre cercle par-dessus, puis le dernier avec celui où on aura fait le rond plus petit à l'intérieur. Donc surtout, il faut bien appuyer pour sceller les trois cercles entre eux. Sinon, vous risquez d'avoir une tour de Pise plutôt qu'un feuilleté vol-au-vent. Une fois que les trois cercles sont bien scellés entre eux, on va prendre un couteau et on va créer des stries sur le côté pour créer une espèce de petite déco. Et ensuite, j'ai fait un quadrillage sur le dessus, pareil pour décorer le feuilletage. Donc je vous montre le même procédé pour les mini vol au vent qui peuvent servir pour l'apéritif. Une fois que vos cercles sont bien scellés entre eux, on va pouvoir badigeonner du lait végétal sur nos vol au vent, ce qui servira de dorure pour la cuisson. Dans un four préchauffé à 180 degrés en chaleur tournante, faites-les cuire pendant environ 25 à 30 minutes. Après, il faut surveiller. Selon la pâte feuilletée, ça peut être peut-être un peu moins ou plus. Une fois les feuilletés sorties du four, on va pouvoir découper le petit chapeau qu'il y a juste ici. Donc vous prenez un couteau et vous le découpez comme ceci. Ensuite, on va retirer le petit chapeau et le mettre de côté. Ensuite, vous pourrez les garnir avec la préparation que vous souhaitez. Et les voici une fois garnis. Donc, je vous invite à aller voir ma prochaine recette qui sera justement comment faire une préparation pour vos vol-au-vents. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. À très bientôt !